Et salut tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite d'Uncharted 2 Among Thieves sur PlayStation 3. Et aujourd'hui, on va surtout avoir un épisode, on va dire, riche en action, ça c'est moi qui vous le dis, hein. Parce qu'on va avoir du fight, on va dire, un petit peu tout le temps. Quand je dis vraiment tout le temps, c'est, on va dire, pas dire 100% du temps, mais presque. Ça commence directement ici avec des mecs qui viennent donc nous faire chier alors qu'on doit sortir du temple. Après qu'on ait découvert enfin le chemin secret vers Shambhala. Donc on va... pour la discrétion, c'est râpé. Mince. Ouf. Bon là je suis un peu mal barré. C'est pas grave, on va tenter de survivre. Oh bah. Non, ça marche pas. Je sais pas comment ils m'ont fait. Comment ils ont fait pour me repérer, mais écoutez, c'est pas grave. Au pire, on va. Bon, on va quand même réessayer, mais en étant peut-être un petit peu plus lent. En tout cas, voilà, on sait que maintenant que Shambhala se trouve quelque part dans l'Himalaya. Mais en attendant, on va devoir d'abord rejoindre Elena et Jeff. Mais comment ils font? Mais comment ils font? Comment font-ils? C'est pas possible. Tiens, tu l'as dans le cul. Hop, on a un cigaro. Il y a même un sniper, heureusement là. Ah si, je crois qu'il me vise en fait. C'est pas grave, on va tenter déjà de se faire ceux qui sont à notre niveau. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, il y en avait un autre là-bas. Voilà. Non voilà, c'est un petit peu la merde quoi. D'ailleurs on va prendre le phal, c'est mieux. Il y en a pas un autre en bas, je ne crois pas. Toi tu te dégages. Ok, c'est qui me tire dessus? Ah ok. Voilà, tu pourras plus rien faire. Donc voilà, c'est sûr que si vous aimez pas trop les phases d'action, cet épisode c'est pas vraiment celui que vous allez préférer. Ah sniper. Bah on va en profiter. Même si là c'est peut-être un peu chaud avec les pics là. Raté. Ok. Sors ta tête. Nickel. Allez, on avance, c'est pas fini, hein, loin de là. Puis il a rien vu venir. Des grenades, c'est le bienvenu aussi parce qu'on va en avoir besoin. Là on devrait en avoir un autre. Voilà. L'avantage c'est que ceux-là, il n'y a pas besoin de beaucoup de munitions pour les tuer. Bon, on va tenter une petite grenade. Bah nickel. Par contre là, ceux qui sont un peu plus loin, ça va être chiant. Bon, surtout celui-là parce qu'il est au pont, donc il vaut mieux l'éliminer en priorité. Et c'est bon. Ils sont tous meules. Brouillons-nous. Donc voilà, les deux prochains... Enfin, ce chapitre-là et le suivant... C'est vraiment que du fight, que du fight. Il y a aucun trésor aussi à récupérer, donc il n'y a pas besoin de prendre du tout à fouiller tous les coins. Surtout que ces coins-là, on les a déjà fouillés, hein, étant donné que là, on est en train de faire le retour. Donc c'est logique aussi. Voilà. Ah bien là, par contre, là-bas, ouf, j'ai pris cher. Là-bas, on a un mec blindé avec, enfin, en armure blindée avec son fusil à pompe. Ah mince. C'est moi où j'ai plus de grenades. Je suis dans la merde. Il faudrait que j'essaye de viser la tête pour enlever son casque parce que bon, on peut quand même retirer son casque. Voilà, là par contre il est vulnérable au headshot. Et c'est bon. J'ai eu chaud. On n'a plus qu'à s'occuper des autres. Ce qui va être assez facile. Ouah, par contre avec leur Uzi je prends quand même masse de dégâts. En plus ça sert à rien de tirer à la hanche avec une arme pareille. Comment ça se fait que t'es pas mort toi? On va essayer de se rapprocher un peu. Voilà. C'est vrai que c'est pas non plus forcément les meilleures phases du jeu, mais bon. C'est surtout centré sur ça. Alors par contre, on va plutôt se servir du pistolet, parce que voilà. On va essayer d'économiser un peu pour le phal. Voilà. Il y a un mec normalement avec un bouclier qui devrait se ramener. Moi qui se ramène par l'autre côté, c'est tout à fait possible. Ok. Non, tu veux pas venir? Pourtant, je sais qu'il y en a bien. Hein. Ah, ok, il est là. Est-ce qu'il est mort? Il est mort. Ouais, des munitions, c'est bienvenu. C'est encore loin d'être fini, malheureusement. Est-ce que je peux tenter une petite grenade comme ça? Ok, c'est complètement foiré. C'est pas grave, on va quand même se les faire d'ici.
touchant surtout le mec en noir là-bas. Il lui faut 15 000 balles pour le tuer. Wow, 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 wow. On va se calmer. Bon, bah, de toute façon, je crois qu'il s'est achevé avec sa propre grenade. Donc voilà, c'est parfait. Munitions pour le pistolet, pour le fal surtout. Au pire, on va quand même prendre de l'AK parce que là, sinon, c'est un peu le caca. Alors là, on recule parce qu'on a une grenade. J'adore ce petit genre de piège. Et puis un mec au pompe, donc important de le tuer rapidement aussi. Voilà. Et surtout de ne pas se presser, parce que si vous allez en haut directement, bah là, votre espérance de vie risque de diminuer assez rapidement. Allez, on retrouve donc là-bas l'espèce d'escalier très étroit qui nous a permis de venir ici. Donc normalement, Elena et Jeff ne sont plus très loin. On revient vraiment à l'entrée. Allez, c'est pas fini, il y en a encore plusieurs. S'ils ont des falches, ces enfoirés. Bon, ça, je peux me servir de ça aussi. C'est un pistolet qui fait office de fusil à pompe, enfin, en tout cas, qui a les mêmes effets. Ce qui est pratique. Normalement, toi, tu dois avoir une falle. Voilà, nickel. Là-bas, on a un mec blindé qui arrive avec son fusil à pompe. Alors, lui, on peut essayer de se le faire directement. Ouah ! Il est mort ? C'est bon. Si vous avez entendu une sonnerie, il s'agit de mon portable. Lol. Alors. Oh merde! Mais où sont-ils? Donc là, effectivement, ils ne sont plus là, en espérant bien sûr qu'il ne leur est rien arrivé de grave. Donc là, ils sont encore en train de se fight contre d'autres mecs dehors. Donc on va bien sûr devoir les aider. En tout cas, on voit Elena là-bas. Donc, ah oui, en plus, il y a des snipers. Ça, c'est la joie. Il y en a deux! il est mort. On s'occupe du deuxième. Parce qu'avec ça dans nos pattes, ça va pas être franchement cool, je vous le dis direct. Ok. Il reste qui? Il reste toi. Ok. Ah ok, je me suis dit un headshot quand même s'il est pas mort. C'est quand même bizarre. Ah, mais toi nique ta mère. Voilà. Ok. Bah du coup on va aller les voir. Et puis comme ça, ça va clore ce premier chapitre. Donc, petite cinématique. On ferait mieux de continuer. Il est touché. Ça va, je vais bien. Fais voir. Oh. Bon, tu vas t'en sortir. Allez, tu peux te lever? Je crois, ouais. Bon, allez, je vais t'aider. Attention! Non, 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 oublie ça. Elle est foutue, de toute façon. Allez, debout, hop. Oh. Oh. Nate! Il va bien. Pas vrai, mon gros? Allez, ouvre-moi cette porte. Il va jamais y arriver, il faut le laisser là. Quoi? Non! Ouvre cette porte, Chloé! Tous nous faire tuer! Bon, voilà, Chloé est plutôt réticente à l'idée de d'aider Jeff, hein. Dans le sens où, bien sûr, ça risque de nous embêter un peu pour se barrer d'ici, mais bon, écoutez, nous, on n'est pas égoïstes, hein. Et donc, on avance! Vite. Donc là, bah, la première partie de ce chapitre, bah, c'est voilà, c'est ça. On va traîner Jeff jusqu'à un point où on pourra être tranquille, tout en évitant voilà les ennemis. Même si des fois certains d'entre eux, on va devoir les tuer. Là, attention ici, il y en a deux qui vont arriver. Voilà, alors lui, on va attendre qu'il arrive. Normalement, voilà, une petite bonbonne de gaz dans la gueule. Là, il y en a un qui va surgir pour s'en prendre à Chloé, donc on le tue rapidement. Enfin, la violence du gars, quoi. Par contre, lui, il a un... Je crois qu'il avait un pompe ou un pistolet. Enfin, un pistolet, c'est un pistolet, comme je vous l'ai dit, qui a les mêmes effets qu'un pompe. Hein. Sauf que ça s'appelle pistolet. Tout simplement. Bref, on s'en fout. Ouais, non, c'était bien un pompe. Malheureusement, on peut pas se servir d'une arme autre que le pistolet, hein, dans le cas présent. Mais bon. Le pistolet, rien qu'avec sa cadence de tir, il est quand même déjà pas mal. Bon, là, il y a un camion qui va surgir, donc on va pas pouvoir passer par là. On va donc entrer dans le bâtiment, on va attendre qu'Elena défonce la porte. Comme ça, on y va. Enfin, en tout cas, de ceux qui restent, hein, de ce bâtiment. Là, attention, là-bas, il y a un mec au lance-roquette qui surgit. Donc on tue rapidement avant que lui nous achève. Pareil, le lance-roquette, ça pourrait être bien de le récupérer, mais bon, on ne peut pas. Donc là, par contre, on se brouille, on va dans les ruines à droite. On va
on va essayer de se protéger quand même un petit peu des gars. Et je vais en profiter pour les tuer, parce que sinon ils risquent de nous faire chier quand on va ressortir. Parfait. Bien sûr, le mec a la tourelle. Ah bah non, il en reste un. Bon, tant pis. On arrive quand même à passer, donc c'est pas grave. Allez, on rentre. Et maintenant, bah, nous n'avons plus qu'à monter tout en haut des escaliers. Et puis comme ça, bah, on va pouvoir passer à la suite. Donc voilà, petite cinématique. Merde, ça va aller, on peut sauter. Pas lui. Il pense même pas. On n'a pas le choix. Non, je peux pas. Nate. Allez, Jeff. Ok. T'as essayé, mais c'est foutu. Il peut pas aller plus loin. On peut pas le laisser mourir ici. Il est déjà à moitié mort, et on le sera aussi si on part pas maintenant. Eh ben vas-y. Ouais. Personne te retient. Chloé. J'essayais de sauver ta peau, espèce d'idiot. Chloé ? Par là-haut ! C'est quoi ça ? Tout là-haut ! Désolé. Posez vos flingues. Je suis très sérieux. Occupez-vous d'elle. Elle est blessée. Emmenez-la au train. N'arrive pas à y croire. Tu peux pas t'en empêcher, c'est ça ? Eh ben comme ça on y quitte. Pas vraiment. Alors, c'est avorton, c'est Drake. Vous l'avez transporté à bout de bras depuis le temple. Dommage. Bon, dites-moi, vous avez trouvé quoi dans le temple ? La réponse que vous cherchiez. Ok ? Je sais où est la pierre, mais vous ne la trouverez pas. Pas sans moi. Alors, laissez-la partir et je vous y emmènerai. Ah, ma jolie. Vous êtes la reporter qui m'a ciré les pompes. Vous feriez bien de prier pour qu'il ne bluffe pas. Fouillez-le ! Allez. Ça, c'est génial, mais... Tiens. Vous n'avez vraiment plus rien à négocier, monsieur Drake. Retour à la zone de transit, préparez-vous à bouger. Toi, viens avec moi. Toi, occupe-toi d'eux. Pas de problème. Comment tu peux bosser pour ce monstre ? Vaut mieux être son ami, chérie. Alors ça y est, tu vas tous nous descendre de sang-froid. Je dirais bien, qu'est-ce que t'en dis ? Debout. J'ai dit debout ! Bon bah ici on cherche pas, on court. Bon comment dire, on est un petit peu dans la demeure hein, maintenant. Bah Lazarevich, là pour le coup on l'a vu de près hein. C'est un véritable psychopathe le gars. En tout cas bah malheureusement il sait où se trouve maintenant Shambhala aussi. Et en plus bah Chloé voilà hein, étant donné qu'elle s'est un peu comportée comme une connasse, bah voilà hein. C'est un petit peu à cause d'elle qu'on est dans cette situation, donc voilà. Désormais avec Elena, hein, on s'enfuit. Bon là on est déjà plus très loin de la fin, cette courte phase. Là par contre on va devoir faire en sorte que... On va faire en sorte que Elena puisse venir... Ah vite. Eh merde, j'ai pas été rapide, c'est rapide, c'est pas possible. Oh la honte. Allez c'est pas grave. On va essayer cette fois d'aller rattraper Elena, parce que normalement elle est censée voilà, venir jusqu'à nous. Oula, si elle est déjà... Mais non, mais comment c'est possible? T'es censé t'accrocher, Nate! Je suis en train de faire n'importe quoi. C'est pas possible.
Attendez, on va bien se mettre sur la droite. Ah oui, puis en plus je prends ultra cher. Voilà. Je sais pas pourquoi ça a pas marché tout à l'heure, alors pourtant j'avais bien appuyé sur triangle. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, là cette fois on est bien vivant. Petite cinématique. Par là. Baisse-toi. Ça va? Oui, impeccable. Et toi? Rien de dramatique. Ok. Bon sang. On les a semés. J'aurais jamais dû te mêler à ça. C'est pas toi. C'est moi qui ai décidé de venir. Non. Je veux dire, tu sais, tout le reste. On connaissait les enjeux. Oh. Ok, donc... qu'est-ce qu'on va faire? Je vais la chercher. Ça va de soi, après tout. Va la chercher. Flynn a dit quelque chose à propos d'un train. Ils ont dû l'emmener vers des chemins de fer, ici. Ça devrait être par là, après ce château d'eau, là. Nate, elle a pointé un flingue sur nous. Je sais. Elle aurait pu appuyer sur la détente, ils lui ont pas laissé le temps. C'est pas si simple. C'est ça, oui. Flynn savait qu'elle était avec moi. Si Lazarevitch découvre qu'elle les a doublés, tu sais ce qu'il lui fera. Ouais, je l'ai déjà vu à l'œuvre, ouais. Alors tu sais que j'ai pas vraiment le choix. Le code d'honneur des voleurs, c'est ça? En quelque sorte. J'espère seulement que tu sais ce que tu fais. J'en ai pas la moindre idée. C'est bon de savoir que certaines choses restent comme elles sont. Ok, en route. Quoi? Non, 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 tu viens pas avec moi. Nate, la ferme, ok? Y a un train qui nous attend. Au moins, elle a été ferme, lol. Eh bien écoutez, c'est parti. Alors bien sûr, nous n'avons pas d'armes. C'est ça qui est un petit peu chiant parce que regardez, il y a des gardes. Donc voilà, malgré hein, que Chloé est une connasse. Mais bon, elle s'est un peu comportée comme une connasse sur la fin. Bah on va quand même devoir aller la sauver, on va dire. Donc pour cela, on va devoir aller jusqu'à la gare. Mais pour le moment, bah il va falloir aller jusqu'à cette gare. Et pour le moment... Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? On va attendre que le mec se positionne... Toujours rien. Soit dans une position qu'on puisse ensuite, voilà, le tuer pour récupérer une arme. Sinon, ça va être un peu compliqué de combattre. Et puis maintenant, on va descendre. Comme ça, on va pouvoir commencer les festivités. Alors là, pareil, on va attendre que le mec se pose contre cette machine à laver. Voilà, pour le moment, on sait pas faire pérer. Hein. Hop, le deuxième, il en reste encore trois. Sachant que parmi les trois, il y en a un avec une armure, hein, donc on va quand même éviter de faire des conneries. Donc le troisième, normalement, si je me dépêche. Voilà, on a éliminé, on va dire, les trois plus fragiles. par contre, si je peux... Ah, nickel. Bon, c'est que 5 balles, mais bon, c'est toujours ça. Nickel, on s'est pas encore fait repérer. Pour l'instant, bah, on va attendre ici. Je vais attendre quand même que le mec là-bas se retourne. On voit d'ailleurs qu'il y a un trésor à récupérer. Là on est pas mal, alors là vous allez voir que le mec est très con parce que regardez, il ne m'a pas vu, c'est la magie des jeux vidéo. Et en plus on peut récupérer un petit phal. Et bah puis il n'y a plus qu'à achever celui-là. Ninja. Ok, à plus. C'est fini. Oh là, qu'est-ce qu'il est trop fort Nate. On arrive à grimper. Ouais, je préfère attendre que le dialogue se termine avant de récupérer le trésor, sinon ça risque d'être un petit peu long à charger. Y a pas de quoi se pavaner. Voilà. Donc voilà, nous avons une petite statuette représentant un lion. C'est rigolo, mine de rien. Donc bah, maintenant, on n'a plus qu'à remonter ici. On voit qu'il y a une échelle de secours, donc bah là, on va attendre tout simplement qu'Elena vienne jusqu'à nous. Et puis, on va l'aider à grimper. Parfait, juste une minute. C'est pas la première échelle de secours qu'on doit faire descendre, mais bon.
C'est le seul moyen de monter, on va dire, à droite. Allez, go! Ouais, bon, après, faut que j'arrive à sauter sur l'échelle, ça c'est une autre, c'est un autre problème. Ah bah tiens, Elena a récupéré une arme aussi. Elle va pouvoir combattre. Allez, on n'oublie pas de récupérer le trésor qui se trouve ici. C'est déjà le 40e, mine de rien, donc une petite jarre. Ou un jar, je sais plus si c'est masculin ou féminin. Ici, munitions, j'en ai pas besoin. Et donc là, la porte, malheureusement, ici est bloquée. Mais bon, on va pouvoir la débloquer en empruntant un autre chemin. Donc on va sauter sur ces panneaux publicitaires. On va ensuite voilà, aller vers le lampadaire pour se balancer. Alors on voit qu'en fait, voilà, c'est des planches hein, qui bloquent la porte. Mais bon, on va pouvoir les détruire avec un flingue, donc c'est pas... Y'a rien de bien compliqué, quoi. Bon, après, faut arriver à viser la planche. C'est autre chose. Donc là, on attend qu'Elena passe. Et là, surtout, on se met de ce côté-ci, parce qu'on va avoir pas mal de mecs qui vont venir, regardez. Donc déjà, ceux-là, on se les fait. Là, c'est pas fini, il y en a encore d'autres. Bon, le gars, j'avais l'impression qu'il reculait en glissant sur le sol. Bon voilà, ce qui est un petit peu chiant ici, c'est qu'on n'a pas... Est-ce que je peux viser la bonbonne? Voilà. Tu l'as dans le cul. Allez, c'est pas fini, il y en a d'autres derrière. Alors on va essayer de se faire vite parce que c'est un sniper. Merde. Bon, déjà, on s'est fait celui-là. Le problème, c'est que voilà, lui, il a un fal et lui, il a un Uzi. Donc c'est des armes qui permettent... Ah bah tiens, c'est bon. J'ai pu faire un headshot. Donc à cause de ces gars-là, on peut quand même rapidement perdre de la vie. Est-ce que tu veux mourir? Es-tu, aurais-tu l'aimabilité de mourir? Ah, je t'ai fait. Voilà, le petit headshot des familles. Là, on descend ici, on se met de ce côté-là rapidement, parce qu'on a encore un mec avec son Uzi qui a attaque. Et là, ça aurait été une mort assez rapide, malheureusement. Alors, on va essayer de se les faire assez rapidement, ceux-là aussi. Ok, c'est bon. Ok, headshot. Bon, ça va, je me suis plutôt bien débrouillé, pour le coup. Allez, Elena nous fait des, bah, baisser ce petit pont. On n'a plus qu'à se suspendre dessus. C'est parti. Et on n'oublie pas de récupérer le trésor qui se trouve à gauche. J'attendais pour utiliser ça. Donc le troisième, il en reste encore deux. Encore un masque, qu'est-ce que je vois? C'est ça, exactement. Donc, ouais, on a encore des munitions là-bas, on va quand même aller les récupérer. Ah bah non, en fait, les mecs ils sont tombés, j'ai l'impression. C'est la joie. Ouais, bon, c'est un petit peu limite, mais bon, c'est pas trop mal. Bon, on va pouvoir arriver au niveau de la gare. Petite cinématique encore une fois. Ouais, on a réussi. Bon, on reste discret. Alors, t'as un plan B? J'y réfléchis. Elle est là. Flynn la retient. T'hésites? Non. Ok. Ils vont bientôt prendre la route. Alors il faut faire vite. Bon, je vais y aller seul. Non, Nate. Attends une seconde. Écoute, écoute. T'écoutes jamais. Entre-temps, tu vas aller là-bas. Tu vas nous dégoter un de ces... 4-4. 4-4. Mmh. Tu vas être le chauffeur. J'entre, j'attrape Chloé... Et là, toi, tu débarques. Et on se fait la malle. Exactement. Ok, c'est bon. C'est clair? Bah oui. Go! Elle est trop badass, Elena. Bon, bah du coup, on va la laisser faire son petit job. Nous, on va passer par ici en glissant sur ce câble. Et on va arriver au niveau d'un hangar avec plusieurs wagons dedans. Donc avant de... dégager la charrette, on va récupérer encore un trésor qui se trouve là-bas près des détritus. Voilà, juste là. Oh, en plus, c'est un sacré trésor, regardez, une petite couronne. Allez, on va déplacer cette merde. Bien au fond, comme ça, bah après, on n'a plus qu'à ouvrir la porte. Et maintenant, bah on va devoir aller en haut. Donc on va grimper ici. Voilà, pour une fois, on a une phase, on va dire, un petit peu plus cool. Donc là, effectivement, nous avons le train, mais bon, on va devoir aller dehors de ce côté-là. Donc là, en fait, on va tout simplement devoir défoncer une porte qui est là.
Alors, on va d'abord récupérer le dernier trésor qu'on voit voilà, clignoter de là-bas. Donc, on va monter ici, on va se suspendre sur cette petite poutre. Et là, on a des barres qui sont faites spécialement pour nous, pour pouvoir se balancer. Autant dire que c'est parfait. Voilà, on a tout récupéré pour le coup, donc là, cette fois, il s'agit d'une petite bague, mais ça reste quand même sympathique. Allez, on retourne là où on était. On va monter sur ces petits tonneaux. Et puis on va enfin monter dans ce petit wagon. Je peux peut-être faire bouger ce vieux machin. Et on n'a plus qu'à tirer sur ce levier, ce qui va débloquer les freins. Et là, on va... Bon, voilà, c'est pas la meilleure méthode, on va dire, pour péter la porte. Hein, parce que voilà, ça fait du bruit. Et donc là, en fait, on va démarrer une phase... bon, déjà la phase, une petite phase de combat de la fin du chapitre, mais qui reste, on va dire, très chiante parce qu'on a énormément d'ennemis qui vont venir nous faire chier. Alors là, on a normalement, voilà, une mission pour le Fall parce que là, on va en avoir besoin. Voilà, parce que là, on a déjà deux mecs au Uzi. Ok. Ouais, pour l'instant, ça va. Le mec au pompe, on le fait très rapidement. Non, tu n'auras pas le temps de te lancer ta grenade. Par contre, c'est... Ouais, je crois qu'on m'attaque déjà par derrière. Donc là, on prend cette fois un sniper, on va en avoir besoin. Et puis, on va se faire déjà le mec qui est là-bas. Et puis, bah, tous les mecs qui sont là, d'ailleurs. Hop, voilà. Chacun aura droit à sa dose de plomb. Là-bas, il y en a un autre. Nickel. Les mecs sont sans pitié. Allez, encore un sniper qui se trouve au fond. Donc là, bah, vous voyez que le train part, hein, malheureusement, donc... Là, on n'a pas d'autre choix que d'attendre Chloé, en fait. Chloé. Non ! Dégage-toi, dégage ! Que d'attendre donc Elena, excusez-moi, hein, qu'elle vienne avec, avec un 4x4. Comme ça, on pourra s'enfuir. En attendant, bah, on est obligé de subir ce troupeau d'ennemis. Ah ! J'aimerais activer le zoom. C'est quand même un petit peu mieux pour viser. Hé, hey, dernier pour la route. Non, je voulais viser la bonbonne. C'est un petit peu la catastrophe. Ouf, j'ai un petit peu pris cher. Ah oui, alors là on arrive à la pire phase. Là on a deux Terminators qui arrivent avec un minigun chacun. Je crois qu'on peut pas faire pire en termes d'armure. Et eux, bah là on peut quasiment rien faire. Le seul moyen de les tuer c'est avec trois grenades. Il me semble que c'est ça. Donc là en fait on n'a pas d'autre choix que d'attendre. Parce que là c'est un petit peu loin. Ouais bon, ça a un petit peu touché le premier. Il était temps. Ça y est. Monte. Vite. Go, go. T'as un plan C? Ouais, accélère. Quoi? Je vais prendre ce train. Mais t'es malade. Rapproche-moi que je puisse sauter. Ça répond à ma question. Mets les gaz. Alors, comment tu comptes la sortir de ce train en marche? J'y ai pas encore réfléchi. Bien sûr que non. Ok. Ok, c'est bon. Une minute. Ça y est, presque. Il faut... Maintenant! Sorte! Ah ah ah. Wouah, tellement d'action les amis. Donc voilà, donc on a finalement réussi par aller dans ce train. Bon voilà, on va quand même aller sur le toit. Même si de toute façon je vais m'arrêter ici malheureusement. Mais bon, il faut bien. Donc là, ça va être comme ça pour les deux prochains chapitres. Hein. On va devoir en fait remonter tout le train jusqu'au premier wagon pour retrouver Chloé. Et ce sera pas facile, je vous le dis. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à commenter, liker et à partager cette vidéo. Et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine pour la suite d'Uncharted 2 Among Thieves. Allez, ciao tout le monde!